Direction Agadir, avec au programme la Vallée des Merveilles. Comme toujours, ni le nom, ni le décor ne vont correspondre à la réalité sportive. L'Atlas, ses joies, ses souffrances, une école de courage et de volonté. 10 km, tu roulais comme ça. 10 km. 10 km. Ouais. Grand spectacle sur la plage d'Agadir avec un départ en ligne favorable à la 860 Kajiva du Béroriol. Mais après ce baroud d'honneur, la hiérarchie de la veille va se rétablir à une nuance près. La disparition d'Alex Titone, qui avait pourtant réussi à devancer l'allée au classement général. Entre Agadir et Goulimine, Tirard. Mais en terminant encore second, l'allée s'installe en tête du classement général avec plus de 30 minutes d'avance sur Karsmarkers et Bakou. Tu as combien de temps d'avance sur le deuxième? Je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est 30 minutes, une demi-heure maintenant. C'est confortable ça. C'est pour l'arrière. En théorie, oui, c'est confortable, mais ça serait confortable quand on sera arrivé à Marrakech. La remontée vers le nord, en direction de Taliwin, 385 km, pour la plupart en spécial. Avec le risque, pour le leader, de croire trop tôt à la victoire. Une tentation à laquelle va échapper Gilles Lallet. Ceux qui veulent détrôner l'allée, qui doivent attaquer. Roche, Tirard et Bakou vont se déchaîner. Bakou viendra ainsi remplacer Karsmakers à la deuxième place du classement général, mais toujours à plus de 30 minutes de l'allée. Sauvage, au pied des plus hauts sommets de l'Atlas, en point de mire, Marrakech. Avant de l'atteindre, il faut encore foncer dans la spéciale et 200 km sur cette piste, ce n'est pas rien, compte tenu de la fatigue accumulée. Ah,
l'arrivée à Marrakech, avant le Grand Prix, l'allée demeurera solidement installée en tête, devant Bakou, Roche et Debure. De Marrakech, Innovation 86, une boucle de plus de 100 km à parcourir deux fois. Sur son ATC Honda, va gagner son pari. Terminé. Terminé 70e, un exploit mécanique et humain. Gilles Lallet a assuré dans la première boucle, se contentant de la 12e place à 5 minutes. Dans le deuxième tour, il se replacera second derrière Combes. Hubert Auriol pourra lui tirer le meilleur parti de sa puissante Kajiva et remonter ainsi à une honorable 7e place au classement final. Bakou, 2e au général et Roche 3e, se livrent une lutte au couteau. Trop occupés par leur duel, ils vont d'ailleurs s'égarer ensemble dans la deuxième boucle pour le plus grand profit de Debure qui va y gagner la deuxième marche du podium. Les dernières sensations, les derniers plaisirs, les derniers spectacles, les dernières souffrances également sur 4, 3 ou 2 roues. Plus de 3500 km ont été couverts depuis Béziers-Cap d'Agde et pas toujours de façon orthodoxe. L'apothéose, place Jma El Fna au cœur de Marrakech. Le pilote officiel Rotman Honda disputait pour la première fois le rallye de l'Atlas. Coup d'essai, coup de maître. Gilles Lallet remporte l'épreuve avec plus de 40 minutes d'avance sur le second, Philippe Debure, au guidon d'une KTM. Et plus de 55 minutes sur Serge Bakou, pilote Yamaha. Le champion du monde d'enduro 85 confirme sa place de second dans le Paris-Dakar après une course sans erreur et sans aucun ennui mécanique, à part un levier tordu dans une glissade. 4 Honda dans les 10 premiers, 51 Honda sur les 90 motos figurant au classement final. Et en plus du classement général, le pilote Rotman Honda enlève le challenge performance. Normal, dans les spéciales, Gilles Lallet a terminé 5 fois second et 2 fois 3e.